Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, je vous présente les nouveaux ensembles de paillettes solaires qui se vendent en paquets de 3. Donc, je vous les ai mis. Ça, c'est un paquet. Ça, c'est l'autre paquet. Donc, celui-ci, si je ne me trompe pas, c'est celui qui a B19, B12, B29 à l'intérieur. Sauf que là, je vous entends déjà me dire, ouais, mais c'est un tout pareil, tes paillettes, c'est quoi qu'il y a de spécial? C'est qu'ils allument au rayon solaire. Donc, je vous montre comment que ça allume, c'est quoi ça fait. Puis par la suite, je vais vous montrer comment les appliquer. Cette fois-ci en résine et poudre, mais c'est un peu pareil, je vous dirais, avec n'importe quel recouvrement. Donc, ça s'active au solaire. Donc, je vais juste prendre ma lampe pour vous montrer ce que ça fait, et voilà. Donc, les paillettes viennent s'activer au soleil. Donc, ceux qui vont dans le sud ou cet été, puis même l'hiver, on s'entend que le soleil est beaucoup plus fort qu'en fait que l'été, là. Donc, ça allume super bien comme ça. Puis, avec le temps, ben, ils vont redevenir le petit blanc avec un petit reflet bleu qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon, ça allume de cette façon-là. Puis, pour les booster, encore une fois, bon, juste pour continuer à vous montrer. Et voilà. Donc, dans cette... ça, c'est un ensemble. Ça, c'est un autre ensemble. Donc, les paillettes solaires. Donc, je vais tasser ça ici. Puis, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment qu'on va travailler avec ces petites merveilles-là. Donc, ça ici... sur mon ongle, ce que je vais faire, je commence tout de suite après ma préparation. Là, je vais utiliser ma résine boulette pour le faire. Comme je vous dis, vous pouvez le faire avec n'importe quoi, que ce soit n'importe quel type de recouvrement. C'est sûr que là, si vous voulez mettre ces paillettes-là sur du vernis gel, il faut juste faire attention pour vraiment aller les chercher de façon minutieuse parce qu'il y a quand même des grosses paillettes au travers. Donc, on ne veut pas faire un relief un peu perdu. Donc, ma résine boulette médium, que je mets toujours en fond. Puis par la suite, moi, je viens juste chercher mes paillettes avec ma résine parce que je sais que de toute façon, ma résine est à séchage lent, donc ça ne figera pas dedans. Donc, je viens placer mes paillettes vraiment aléatoirement ou si je veux un ongle complet, je les place au complet de cette façon-là. Et voilà. Si vous voulez faire des effets concentrés à certains endroits, vous les placez à certains endroits seulement. Et là, le plus important, c'est quand on a fini de placer ça, ça fait quand même, comme je disais tantôt, un bon relief, étant donné que c'est des paillettes qui sont quand même assez, des grosses et des petites mélangées ensemble. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma poudre claire par-dessus. Le plus important, quand vous mettez votre poudre claire par-dessus ça ici, c'est pas d'en mettre trop épais parce que sinon, quand vous allez vouloir l'activer au soleil, ça n'activera pas. Donc, si vous avez des problèmes que votre paillette solaire ne change pas au soleil, c'est parce que vous avez simplement trop mis de poudre claire par-dessus. Donc, si vous faites des ongles extrêmement longs, faites-vous un recouvrement soit de couleur ou soit transparent en dessous avant d'appliquer la paillette. Donnez-vous une petite affaire plus dure en dessous. Donc, je catalyse, puis par la suite, je vais être en mesure de faire mon limage, puis mettre ma finition de mon choix par-dessus. Comme ça, quand je vais venir allumer, quand je vais aller au soleil, mes ongles vont allumer d'une certaine couleur, comme ici, le mauve. Donc, je vous les remontre. Je trouve ça tellement le fun comme petite paillette, en fait. Ça, c'est l'ensemble. On va dire un, puis l'autre, c'est deux. C'est toujours des ensembles de 3. Donc, les ensembles se détaillent, je vous dirais, prix technicien 9,95 pour 3, puis prix public 12,44, donc pour les paillettes solaires. Donc, ça fait vraiment des effets vraiment cool pour l'été ou pour celles qui vont dans le sud. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, voilà les filles, si vous avez des questions, écrivez-moi là en commentaire, sinon partagez en grand nombre. Merci!